Adèle. Aujourd'hui, je vais vous présenter Ne t'arrête pas de Michel Gagnon. C'est un livre qui parle de Noah, une fille qui n'a pas vraiment de famille. Elle vit dans des foyers pour les personnes comme elle. Un jour, en fait, elle va se faire enlever par des gens. Pour le moment, on ne sait pas qui c'est. Elle va se réveiller sur une table d'opération. Elle va avoir une grande cicatrice sur la poitrine. Elle prend peur et puis elle va essayer de s'enfuir. Et elle va chercher à découvrir ce qui s'est passé. Et en parallèle, on suit aussi Peter. C'est un enfant, ses parents ils sont riches et tout, sauf qu'il est souvent seul chez lui. Du coup, une fois, il fouille dans les affaires de ses parents. Et il trouve un dossier qui est bizarre. Du coup, il cherche sur Internet. Il fait une recherche sur ce dossier. Il y a des hommes armés et tout qui débarquent chez lui, qui défoncent sa porte et qui le mettent en garde de plus fouiller dans les affaires. Il va demander sur Internet, parce qu'il a un site Internet, il va demander à Noah, qui a un surnom qui s'appelle Rain sur Internet, pirater le dossier qu'il avait découvert, savoir quand même ce qui s'est passé sans que les hommes armés débarquent. C'est comme ça qu'ils vont se rencontrer, et après, au fil de l'histoire, découvrir que l'endroit où Noah s'était retrouvé sur la table d'opération et tout, ça a un lien avec le dossier du père de Peter. Du coup, ils vont enquêter ensemble. Je dis pas la fin, vous verrez ce qu'il découvre et tout ça. J'ai bien aimé ce livre, ça parle beaucoup d'informatique. C'est un roman d'aventure aussi parce qu'il y a plein d'actions. J'ai hâte de lire la suite parce qu'il existe 2 autres tomes. Trouvé en liseuse. 2 autres tomes sont sur liseuse et aussi sur livre. Salut! Pensez à vous abonner, à mettre des pouces bleus et à activer la cloche pour suivre nos autres vidéos. Bye!